Le livre des Psaumes chapitre 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.